Bonjour à toutes et à tous. En 2018, le média Africulture est menacé de disparition. La raison, elle est purement économique. Depuis sa création en 1997, l'agriculture n'a fait que se développer. Les subventions, quant à elles, n'ont fait que diminuer. Et puis un jour, c'est arrivé, il a fallu séparer l'équipe des salariés. Cette année-là, en 2018, on a deux choix. Résister ou abandonner. On a choisi de résister. L'idée de départ, c'était d'éditer un manifeste pour témoigner de ce qu'agriculture a toujours voulu défendre. Mais les plans ont changé. Parce qu'agriculture, c'est avant tout une communauté. Une communauté qui, en 20 ans, a contribué à écrire près de 10 000 articles. Une communauté d'artistes, d'universitaires, de chercheurs, d'activistes de la culture, qui nous ont portés pendant toutes ces années et qui ne voulaient pas que l'aventure s'arrête là. Et donc, on a rassemblé près de 70 contributeurs
pour transformer ce manifeste en une revue exceptionnelle, la revue hors série Africulture, qui représente le message d'Africulture, c'est-à-dire de montrer la diversité des cultures d'Afrique et de ses diasporas à travers des tribunes, des analyses, des textes poétiques. Aujourd'hui, nous sommes le 7 avril 2021. La revue, elle a été publiée il y a 2 ans, et 2 ans plus tard, on a voulu revenir sur cette aventure collective, parce qu'en fait, il s'agit bien plus qu'un projet éditorial. Cette revue, elle symbolise avant tout la renaissance d'Africulture. Et surtout, notre désir d'aller vers l'avant sans se tourner vers le passé. Et on a voulu le faire savoir à travers une tournée nationale, en compagnie des contributeurs et des contributrices de la revue. Malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu, puisque la crise sanitaire est arrivée. Heureusement, en revanche, nous sommes ici aujourd'hui grâce à la confiance que nous a témoigné l'Institut français et la chaleureuse collaboration de la Cité internationale des arts de Paris. Tous nos invités n'ont pas pu être présents. On salue particulièrement ceux et celles qui n'ont pas réussi à avoir le visa depuis le continent africain. Nous avons tout de même la chance d'accueillir certains contributeurs et contributrices qui ont rendu possible l'existence de la revue. Merci à Rossé, Elam, Mab Fatounian, Sina Toussaka, Fred Ebami et Marc-Alexandre Obambé d'être à nos côtés aujourd'hui à la Cité internationale des arts de Paris. Merci à ceux et celles qui ont témoigné par visio d'être présents parmi nous à leur manière. La première d'Africulture en live peut maintenant commencer. Dans le hors-série décentré, déconstruire, décolonisé d'Africulture, l'un des aspects les plus intéressants, c'était de raconter des nouveaux récits. On a essayé de donner la parole à des personnes qui montrent comment on peut raconter des récits qui sortent de l'eurocentrisme et qui permettent aussi de créer de nouveaux récits communs afin de nous lier tous les uns les autres. Pour cette première table ronde de notre Africulture en live, nous allons avoir un plateau assez exceptionnel avec Elom Vince, un artiste qui nous vient tout droit du Togo. Elom, tu peux prendre place. Elom est rappeur, se définit comme un artiste, on va en train de s'expliquer. J'invite également Mab Fatounian, donc maître de conférence à l'Université Carnegie Mellon, Pittsburgh, aux États-Unis. Bonjour Mab. Donc Mab qui travaille sur la CNES in Europa. La question noire. On va pouvoir en parler. Et enfin, Rossé. Rossé, l'artiste franco-algérien, rappeur, 20 ans de carrière. Alors, on va démarrer du coup justement par Rossé. Rossé, dans votre dernier album, c'était une anthologie de musique, on va dire décoloniale. Qui s'appelle « Par les damnés de la terre ». Et ce recueil nous amène à découvrir de nouveaux récits des luttes décoloniales. Est-ce que pour vous, la musique est un moyen de transmettre l'histoire ? Oui, complètement. La musique, elle témoigne de l'histoire, je dirais. Elle fossilise l'histoire de l'époque dans laquelle elle a été faite. Et c'est vrai que la musique qui va être mise en lumière va être la musique qui va être mise en lumière par des gens. Et souvent, c'est les gens, on va dire, qui sont au contrôle de ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder la musique qui est restée dans l'ombre pour comprendre que c'est celle-là, en fait, qui était celle des luttes, que c'est les luttes qui étaient dans l'ombre et que même si les époques ont changé, les empires sont restés les mêmes. Et donc, du coup, ce qui était dans l'ombre hier, ce sont les aidés de ceux qui sont dans l'ombre aujourd'hui. C'est ça qui était intéressant à aller chercher en musique, les témoignages des musiques d'hier. Vous avez, avec ce projet musical, vous avez fait de l'intervention en milieu scolaire, des expositions. En quoi cet outil de la musique est un outil pédagogique justement pour l'histoire ? Disons que c'est pédagogique parce que la musique est universelle et intemporelle et qu'on peut parler, c'est un moyen de communication en fait qui parle à tout le monde, quelle que soit la langue dans laquelle la musique est faite. Qu'on s'adresse à des gens, quelle que soit la génération de ces gens-là, on peut s'adresser à eux avec la sensibilité de la musique.
Et donc, avec des collèges, par exemple, ça marche très, très bien. C'est-à-dire que n'y a pas de morceaux qui vont être plus compliqués à entendre que d'autres à partir du moment où l'énergie des morceaux va être, ils vont être sensibles à l'énergie des morceaux. Ça étonne toujours, mais des fois, des morceaux avec un langage des fois souligné, bah, on peut parler à des jeunes parce qu'en fait, la mélodie en fait leur parle et l'énergie même du morceau qui va être un morceau peut-être engagé ou qui va être un morceau frontal va leur parler. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final, on n'a pas de barrière avec la musique. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple justement d'histoire que vous avez redécouvert à travers la compilation de ces morceaux francophones? Ouais, on a plein. Je parle, le premier qui me vient en tête, c'est Mohamed Diab, qui est quelqu'un en fait qui s'était fait tuer dans un commissariat dans les années 70 en France. Et du coup, il y a un morceau qu'on a découvert qui était un hommage à Mohamed Diab. Et en fait, quand j'écoutais le morceau, moi, je savais pas que ça parlait de ça. Juste le morceau, on trouvait bien parce que ça venait d'un disque qui était justement fait par rapport aux violences policières et par rapport aux demandes de droits des sans-papiers. Et en fait, le truc, c'est que petit à petit, en fait, en tirant le fil, on a compris que c'était aussi par rapport à cette histoire-là. Il y a eu des trucs aussi, je donne un autre exemple, ce qui est un morceau qui s'appelle Hommage à Mohamed Maïga, qui est en fait, le papa de Aïssa Maïga qui était. Et le truc, ben, voilà, c'est les colonnes de la Révolution, qui était un groupe burkinabé qui avait fait cet hommage. C'était jamais sorti parce que c'était un enregistrement dans la radio du Burkina. En fait, les bandes sont restées. Et donc, du coup, en écoutant les bandes, on a compris ça et on a pu le découvrir et faire découvrir Aïssa Maïga. Et des exemples comme ça, il y en a. Je pourrais donner un autre avec un Corse, en fait, qui avait un label où, dans son label, en fait, il incubait, en fait, des groupes de musique décoloniale, aussi bien Guadeloupe que de plein de, même régionales, que des régions de France qui combattaient, en fait, pour leur région. Et en fait, ben, voilà, il y a cette histoire-là aussi. On a parlé avec sa fille, ben voilà, c'était assez intéressant aussi parce que ça faisait ressortir des choses. Donc, en fait, c'est vraiment une transmission des luttes. Enfin, c'est mon réveil. Il faut que j'arrête. Voilà. Donc, c'est vraiment une transmission des luttes, mais surtout, on s'est rendu compte que le disque, en fait, fossilisait des choses qui est bien maintenant de revoir, de remontrer, et que c'est un angle qui est différent que celui des livres, qui est différent que celui des historiens de manière générale. Nous, on a demandé de l'aide aux historiens, justement, à deux historiens en particulier, pour faire en sorte que ce projet soit complet et aille jusqu'au bout des choses là-dedans. Et que ce soit un projet musical, oui, mais qui n'invisibilise pas le côté politique de la musique. Et voilà, mais il y a énormément d'histoires. Et en fait, on n'a même pas pu toutes les raconter en réalité. Et est-ce que ça vous a fait prendre conscience de quelque chose par rapport à votre art? Est-ce que ça modifie votre rapport? Est-ce que vous essayez d'introduire de l'histoire dans vos morceaux, de marquer une époque? J'essaye surtout moi d'avoir plusieurs casquettes, et quand je fais de la musique moi personnellement, de rester spontané, parce que je pense pas qu'il faille trop mélanger les choses de cette manière-là. Quand on fait de la musique, faut que ça reste quelque chose de spontané, de léger, d'humain, et que si on a envie d'y mettre de la conscience, pourquoi pas, mais je veux pas mélanger les choses en fait. Et ce projet-là, il me tenait à cœur justement parce que ça me permettait de mettre un peu toute cette charge-là dans un autre projet pour rester autre chose dans la musique. Mon engagement dans la musique, je veux qu'il soit franc et direct, et je veux pas commencer à réfléchir à des stratégies comme ça. Merci Rossé. Je vais donner la parole à votre compère de Bonnet, l'homme verse. Donc dans votre tribune qui s'intitule « On ne peut pas coiffer quelqu'un en son absence », vous insistez sur l'importance de que les Africains se centrent eux-mêmes, qu'ils se racontent eux-mêmes, et vous parlez aussi de l'importance de l'unité africaine.
Aujourd'hui, est-ce que 3 ans après, vous estimez que l'Union africaine, c'est-à-dire l'unité des Africains, est la voie pour libérer ces Africains? Bon, ma réponse directe, c'est oui. L'unité, c'est pas quelque chose qui est Elon. C'est pas forcément une idée de Elon, c'est une idée qui précède et qui est toujours d'actualité. Il y a tellement d'exemples de 2019, à la date à laquelle j'ai écrit cette tribune, à 2021, il y a plein d'exemples qui montrent pourquoi l'unité est nécessaire aujourd'hui. Là, on parle de la crise de la COVID-19 et on voit comment les États africains sont en train de gérer cette crise-là. Et pour moi, quand je parle d'être au centre de soi-même, c'est de refuser d'être la périphérie des autres. Et quand je vois comment aujourd'hui on nous envoie COVAX, tous les vaccins parfois même que certains États européens n'aimeraient pas utiliser, et voir comment dans nos États, carrément parfois des ministres de la santé viennent menacer les gens sur les plateaux de télé en disant « allez, vous faire vacciner », pour moi c'est être encore à la périphérie des autres. Et ça pose aussi la question de la recherche universitaire. C'est-à-dire qu'on crée l'université, pour moi c'est le lieu du temple et du savoir, c'est le lieu où on doit créer, c'est le lieu où on doit inventer. Et ça pose, pour nos États francophones, du moins 60 ans après l'indépendance, ça montre comment on est toujours dans une suite coloniale, pour ne pas dire néocoloniale. Donc il y a plein d'exemples, on peut prendre aussi l'exemple du Mali, parce que ça c'est un exemple sur le plan de la sécurité. Et voilà un État qui montre clairement qu'il n'est pas capable de sécuriser ses frontières. Et que même avec l'aide entre griffes, des puissances occidentales, elles n'y arrivent toujours pas. De 2012 ou 2011, Serval, Barkhane, MINUSMA, tous les entreprises privées même qui sont sur le terrain, on voit clairement que le Mali ne s'en sort pas. Et je ne veux pas parler du CFA, l'éco aussi, ou du moins comment l'annonce a été faite. On n'a pas consulté les populations africaines. Je parle des parlements, il n'y a rien. Il y a Ouattara et Macron qui viennent nous annoncer que voilà, vous avez passé du CFA à l'éco. Pour moi, tous ces exemples montrent qu'on est encore à la périphérie des autres. Et je pense que la question de l'unité africaine, comme l'a dit Kwame Nkrumah en 63, à ce sommet d'Addis Abeba, où il disait que c'était le moment d'aller à l'unité directe. Il a parlé de la défense, il a parlé de l'économie, de l'indépendance économique et d'une diplomatie commune. Et pour moi, ces trois exemples cristallisent clairement le fait que, voilà, je peux dire 60 ans après, parce que pour moi, c'est pas simplement de 2019 à 2020, parce qu'il y a tellement d'exemples, mais si on prend juste sur ces 3 dernières années, c'est des exemples concrets qui montrent encore que nous, Africains aussi, nous sommes toujours à la périphérie des autres. Et refuser d'être la périphérie des autres, c'est être au centre de soi-même. Être au centre de soi-même, c'est dans l'unité. Et quand on parle d'unité, pour moi, c'est la dignité africaine. Parfois, on est dans les idéologies de isme, et on oublie en fait que quand nos pères se battaient pour les indépendances, en fait, c'est pour rendre les Africains dignes, que les Africains vivent dignement. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les Africains vivent dignement? Non. Donc, pour moi, la question de l'unité est encore importante. Et pour finir, je dirais que pourquoi l'unité? Parce qu'en fait, toutes les forces que nous sommes, je parle des États africains, même de la diaspora comprise, c'est que on a chacun quelque chose à apporter. Et que justement, quand on est morcelé dans nos petits États, on n'arrive pas à être fort, parce que c'est l'époque des grands ensembles. On voit comment l'Union européenne essaie de rester Union européenne malgré tous les problèmes qu'il y a. Je ne parle pas des États-Unis. Donc pourquoi l'Afrique aujourd'hui voudrait affronter le monde, affronter les enjeux géostratégiques, en tout cas toutes les formes d'enjeux, en allant de rang dispersé? Qu'est-ce que le Togo peut faire face à l'Union européenne? Qu'est-ce que le Togo peut faire face au Mali, face à la Chine? Parce que aussi, se décentrer aussi, c'est aussi refuser d'être aussi dans ce dialogue de saut entre la France et l'Afrique, la France et l'Europe. Aujourd'hui, il y a d'autres enjeux, la Chine-Afrique, etc. Donc, se décentrer, c'est revenir vers nous-mêmes et faire les choses par nous-mêmes. Donc, vous définissez comme activiste, donc activiste par l'art. Comment vous, à votre échelle, au Togo, vous mettez en acte justement ce combat pour l'unité? Déjà, à travers la musique, Rossé l'a dit. Moi, je dis souvent que Rossé fait partie des gens qui m'ont sauvé la vie. Autant que Dead Prez, autant que La Rumeur.
Parce que c'est à travers cette musique-là que moi, je me suis conscientisé, en fait. Moi, j'ai fait du droit à la base, mais à l'université, je posais des questions à mes profs, et ils n'arrivaient pas à me répondre. Et c'est dans le rap que moi, j'ai découvert Kwame Nkrumah, par exemple. Donc, pour moi, le livre Africa Must Unite, en l'occurrence. Donc, pour moi, la musique est un canal via lequel on peut parler d'unité. Mais je pense qu'on ne peut pas parler de panafricanisme en se limitant au panafricanisme culturel. Pour moi, le panafricanisme est politique aussi. Et c'est pour ça que je milite dans une organisation panafricaniste qui s'appelle la Ligue panafricaine Umoja, qui a pour objectif de prendre le pouvoir dans certains pays francophones, pour commencer. Et c'est une organisation qui a des branches dans plusieurs pays. Et au Togo, plus précisément, je milite dans un groupe qui s'appelle SEMA. SEMA qui veut dire unité en ancien égyptien, qui est la branche locale de la Ligue panafricaine Umoja. Donc nous faisons des activités de conscientisation, nous créons des espaces pour réfléchir sur nos questions. Et là encore, l'idée, c'est de pas de faire les choses comme on le fait d'habitude, c'est s'inventer, se réinventer. Donc concrètement, nous avons deux projets qui s'alternent. Il y a la feuille de papier et puis il y a Ciné Reflex. La feuille de papier, c'est un livre et une plante. Parce que je pense que quand on parle d'environnement, qu'on parle d'unité africaine ou de prendre possession de nous-mêmes aussi, c'est maîtriser notre environnement. Et je pense que les plantes, les racines, etc., c'est des choses que nous, Africains, nous devons savoir. Et les livres, il y a beaucoup de choses à apprendre dans les livres. Donc pour moi, c'est une manière de cumuler à la fois la culture dite occidentale des livres, mais aussi la culture des plantes, etc. Et on ne s'arrête pas à tout ce qui est exotérique, mais le côté ésotérique des choses aussi. Et puis, c'est des réflexes et des projections documentaires suivies de discussions, débats. Donc voilà, il y a plein d'autres choses qu'on fait aussi. Je vais parler du textile. Moi, j'ai une marque de vêtements. Et la musique là-dedans. Quand je parle d'art, je ne veux pas me limiter à la musique, en fait. Parce que quand on parle de musique, pour moi, c'est très restrictif. Pour moi, quand je porte, par exemple, des tissus africains, c'est une forme aussi d'expression, c'est un langage. Et donc, pour moi, la musique est au milieu de tout ça. Donc voilà, l'idée, c'est pas si... Et quand on parle de musique aussi, c'est des références. Donc, tout ça cristallise... cristallise l'envie et la manière de partager l'Afrique sur le plan artistique. Merci Ella. Merci à toi. Avant de donner la parole à Mam Fatou Niang, on va se faire une petite interview poétique avec Isabelle Frouleux, artiste de scène, qui va nous lire un poème d'Aimé Césaire. Isabelle. Là où l'aventure garde les yeux clairs, là où les femmes rayonnent de langage, là où la mort est belle dans la main comme un oiseau, saison de lait, là où le souterrain cueille de sa propre génuflexion un luxe de prunelles plus violent que des chenilles, là où la merveille agile fait flèche et feu de tout bois, là où la nuit vigoureuse saigne une vitesse de purs végétaux, là où les abeilles des étoiles piquent le ciel d'une ruche plus ardente que la nuit, là où le bruit de mes talons remplit l'espace et lève à rebours la face du temps, là où l'arc-en-ciel de ma parole est chargé d'unir demain à l'infante et l'espoir à la reine, d'avoir injurié mes maîtres, mordu les soldats du sultan, d'avoir gémi dans le désert, d'avoir crié vers mes gardiens, d'avoir supplié les chacals et les hyènes, pasteurs de caravanes, je regarde. La fumée se précipite en cheval sauvage sur le devant de la scène, hurle un instant la lave de sa fragile queue de paon. Puis, se déchirant la chemise, s'ouvre d'un coup la poitrine et je la regarde. En île britannique, en îlot, en rocher déchiqueté, se fondre peu à peu dans la mer lucide de l'air où baigne prophétique. Ma gueule, ma révolte, mon nom.
frapperons l'air neuf de nos têtes cuirassées. Nous frapperons le soleil de nos paumes grandes ouvertes. Nous frapperons le sol du pied nu de nos voix. Les fleurs mâles dormiront aux criques des miroirs et l'armure même des trilobites s'abaissera dans le demi-jour de toujours sur des gorges tendres gonflées de mines de lait. Et ne frapperons-nous pas le porche des perditions? Nous frapperons l'air neuf de nos têtes cuirassées. Nous frapperons le soleil de nos paumes grandes ouvertes. Nous frapperons le sol du pied nu de nos voix. Un vigoureux chemin aux veineuses jaunissures tièdes où bondissent des buffles des colères insoumises court, avalant la bride des tornades mûres aux balisiers sonnants des riches crépuscules. Nous frapperons l'air neuf de nos têtes cuirassées. Nous frapperons le soleil de nos peaux grandes ouvertes. Nous frapperons le sol du pied nu de nos voix. Je t'évoque, bananier pathétique agitant mon cœur nu dans le jour psalmodiant. Je t'évoque, vieux ougan des montagnes sourd de la nuit, juste la nuit qui précède la dernière et ses roulements d'ennui frappant à la poterne folle des villes enfouies. Mais ce n'est que le prélude des forêts en marche au cou sanglant du monde. C'est ma haine singulière dérivant des icebergs dans la laine des vraies flammes. Donnez-moi, ah, donnez-moi l'œil immortel de l'ombre et des ombres et des tombes en granit équarri, car l'idéal barrière des plants moites et des herbes aquatiques écouteront aux zones vertes les truchements de l'oubli se nouant et se dénouant. Et les racines de la montagne levant la race royale des amandiers de l'espérance fleuriront par les sentiers de la chair, le mal de vivre passant comme un orage, le mal de vivre passant comme un orage. Cependant qu'à l'enseigne du ciel, un feu d'or sourira au champ ardent des flammes de mon corps. Donc on retourne à une table ronde avec Van Fatunyang, Elon Vince et Rosé. Van Fatunyang, vous avez écrit un texte avec Mabula Soumaoro, titré de l'expérience vous voulez le dire. J'ai besoin de traduire et d'ancrer l'expérience noire dans l'hexagone. D'accord. Et donc ce titre compliqué explique qu'il faut davantage intégrer l'histoire des Noirs de France au récit national français, résumé. Et aujourd'hui, on vit une période un peu turbulente sur ces questions-là. On a un retour de flamme, comme on pourrait dire, avec l'apparition d'une contre-offensive, avec les mots tels que islamo-gauchisme, séparatisme, pour désigner justement les gens comme vous qui veulent justement inclure l'histoire des Noirs de France. Comment vous travaillez justement pour contrer cela et amener ce récit? En fait, je pense qu'il n'y a rien à contrer parce que, en fait, lorsque vous dites qu'on travaille à ce que ces récits soient davantage intégrés, on travaille en fait à ce qu'ils soient intégrés tout court parce que davantage, c'est... Ça présuppose qu'il y ait eu un effort et qu'on est dans un désir d'améliorer quelque chose qui a commencé. On est vraiment dans un néant en France. Moi, je travaille beaucoup sur la négrophobie que je définis comme un racisme donc anti-noir qui est différent de beaucoup d'autres formes de racisme qu'on peut voir en France, que ce soit le racisme anti-asiatique, anti-racisme anti-tigane, parce qu'il est défini par un double paradoxe de la naissance de ce racisme-là. Du fait voilà qu'il accompagne la modernité européenne. La modernité européenne commence avec l'esclavage, donc la commodification du corps noir qu'on va définir comme un corps étranger,
extraordinaire, autre, et qui donc à partir de là, on peut l'exploiter, exploiter les terres, donc cet extractivisme. Et à partir de donc ce paradoxe-là, d'avoir toujours accompagné la modernité européenne, mais d'être ignoré, effacé, parce que tout d'un coup, on a décidé que la race était une catégorie qui ne pouvait pas opérer en France, que la race n'existait pas. Donc on a ce paradoxe-là, et aussi d'être un racisme, je parle de la négrophobie, qui est extrêmement opérant, qui touche à tous les aspects de nos vies en tant que noirs en France, noirs de France, mais tout en étant complètement naturalisé, donc personne ne le voit. Et donc nous, quand on a écrit cet article avec Maboula, du besoin de traduire et d'ancrer, c'était de dire qu'aujourd'hui, et qu'on se retrouve aujourd'hui en 2021 avec toutes ces polémiques autour de mots tels que islamo-gauchisme, séparatisme, qui en fait ne veulent rien dire, il y a une chose à laquelle moi je pense qu'il faut faire très attention, c'est que de ne pas se laisser justement hypnotiser, vous savez, comme les charmeurs de serpents, par ces mots-là qui sont des mots qui sont woke, cancel culture, qui sont retournés, vidés, réinvestis de sens, qui ne correspondent plus à aucune réalité, sauf pour ceux qui les utilisent et qui la plupart du temps ne pourraient même pas les définir, et que nous on reste vraiment centré sur nous, centré sur ce que l'on veut, c'est-à-dire moi je suis française. Ce n'est ni une fierté, ni une honte, c'est une réalité. Je suis dans un pays où les gens ne savent pas pourquoi je suis là. Ma famille est là depuis plusieurs générations, on me demande tout le temps d'où je viens. Et il y a toute cette histoire-là de ce pays qui se définit comme une république, la république de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, l'importance de son passé qui fait qu'on est une communauté extrêmement forte. Et à partir de ce présent, de cette communauté, on va se lancer dans le futur. Mais il y a un problème, c'est que ce passé-là, cette communauté, elle est fausse, elle est basée sur un postulat qui est faux, et elle est basée aussi sur une amnésie qui fait qu'une partie des forces vives qui composent cette communauté, on ne sait pas d'où elle vient. Donc nous, c'est toutes ces choses-là, cette amnésie-là qui fait que là, on fonctionne sur une république qui se trahit, qui se ment à elle-même. Donc lorsqu'on me traite de séparatisme, ben, je rends l'insulte aux autres, c'est vous les séparatistes, c'est vous. Aujourd'hui, je le dis, la 5e République en France est anti-républicaine. Nous sommes les vrais républicains parce que nous mettons la République face à ses faussetés, face à son hypocrisie, face à ses mensonges, et nous lui demandons de devenir une vraie République, une vraie Respublica, une vraie, un vrai endroit qui soit une chose commune et qui soit partagée équitablement, à défaut de l'être égalitairement entre tous ses membres. Alors, on vient d'écouter des textes de Césaire. Est-ce que ce n'est pas justement le même type de message qui portait Césaire dans le discours contre le colonialisme, de rappeler la République à ses fondamentaux? Bah absolument, parce qu'aujourd'hui, j'écoutais encore ce matin un podcast sur la révolution haïtienne. On ne peut pas vous promener dans la rue et on parle beaucoup de notre passé, de nos glorieux ancêtres, Napoléon, Louis XIV, etc. Mais aujourd'hui, la France ne serait rien sans Haïti. Et vous pouvez marcher dans la rue, vous arrêtez 50 personnes et vous leur demandez la relation entre la France et Haïti. Qui sait qu'Haïti, Saint-Domingue, était une colonie française. Donc il y a tout ce passé-là qu'on a décidé d'effacer parce qu'on voulait réécrire une histoire qui nous convienne. On voulait écrire une histoire, ce roman national qui nous convienne. Et aujourd'hui, ce roman national, il est plein de trous. Et surtout, moi, je pense que c'est aussi ce qui se joue beaucoup dans ce brouhaha aujourd'hui de lois liberticides, de lois contre la communauté musulmane, de lois contre les Français issus d'eux, comme je dis souvent. C'est aussi il y a deux choses extrêmement importantes, c'est l'ancrage et l'imaginaire. Donc refuser de nous ancrer dans ce pays, que je répète encore, moi je n'ai aucune fierté particulière d'être française, il se trouve que je suis juste française, donc ce n'est ni une fierté ni une honte, je le répète encore, mais c'est la notion d'ancrage. Donc refuser d'ancrer ces territoires sur un territoire qui est partiellement ou totalement le leur, refuser de les ancrer dans une littérature, refuser de les ancrer dans le roman national, refuser de les ancrer dans l'histoire, que ce soit l'histoire qu'on lit dans les livres d'école ou l'histoire que l'on voit dans les rues, les plaques des rues, les statues, etc. Donc refuser de nous ancrer, et ce refus d'ancrage, il va aussi loin que la langue. Et c'est de ce qu'on parle avec Maboula dans le livre, le fait qu'aujourd'hui, moi, je suis professeur aux États-Unis en Blackness Studies. Comment on traduit Blackness en français? Le fait de refuser de nous traduire, de nous ancrer dans l'épistémologie, le fait de refuser de considérer nos savoirs comme des savoirs qui méritent d'avoir leur propre département dans les universités françaises. Donc ça, c'est la question de l'ancrage.
L'autre question extrêmement importante, c'est la question de l'imaginaire. Refuser de nous considérer à la fois comme faisant partie de l'imaginaire français, mais aussi de refuser de considérer que les imaginaires avec, que l'on apporte avec nous, que ce soit les imaginaires diasporiques de l'Afrique. Moi, j'ai grandi, quand je regarde mon téléphone, c'est une espèce de combo de la diaspora. Donc, il y a toutes ces choses-là, toutes ces musiques que j'écoute, toutes ces personnes que je rencontre, les livres que je lis, qui nourrissent mon imaginaire. Mais c'est un imaginaire qui est aussi français, mais français en trait d'union. Et ça, c'est problématique. Et aujourd'hui, quel moyen d'action vous avez pour votre combat? Moi, je ne le vois même pas comme un combat, c'est une évidence. Quand je dis que je suis afro-française, que les gens prennent des crises cardiaques, ça c'est leur problème. La réalité de ma vie est que je suis française, issue d'eux, et que je suis française et africaine à la fois, française et sénégalaise. Donc c'est une évidence, ce n'est même pas un combat. Pour moi c'est juste une évidence. Et les moyens d'action, ben c'est d'être envers et contre tout, être alors qu'on me dit que ce n'est pas possible, être alors qu'on me dit que je ne peux être que face à ce pays qui me dit, voilà, l'identité française, elle est une et indivisible, et je trouve vous que... Vous avez des moyens d'action, de par votre statut de maître de conférence, de voix intellectuelle Oui, alors on peut passer là. Il y a ce que je fais en tant qu'universitaire. Donc pour moi, il y a les conférences, il y a les livres, il y a tout ce qui se fait. J'ai fait un film il y a à peu près 5 ans qui s'appelait Marianne Noire. C'est un film que j'ai fait parce que c'était difficile de grandir dans un pays où on ne se voyait pas. Moi, je ne voyais pas ma mère, je ne voyais pas ma sœur. Ce film, c'est avec un portrait de. Exactement, c'est un portrait de cette femme. Française, noire, et on grandit ici, donc avec Maboula Soumaoro, Bintou, Tembele, Alice Diop, etc. Et donc il y a ce travail-là, universitaire, il y a mon travail d'artiste, mais pour moi, dans le travail universitaire, il y a aussi cette fonction de passeur, parce que j'ai des jeunes âmes influençables que je peux introduire à ces lignes de fuite, comme je les appelle, mais pour moi, le plus important, c'est vraiment, je veux revenir dessus, c'est dans mon quotidien, c'est dans l'être, parce que nous sommes des personnes qui ne sommes parlées, qui ne sont décrites que dans l'extraordinarité de notre condition, alors que nous sommes des personnes qui vivons, respirons, avons les mêmes problèmes que les autres. Et pour moi, il y a vraiment cette chose, cet élément qui est central dans mon travail, c'est le quotidien, dire que voilà, ce qu'on fait, il se fait dans l'ordinarité de nos vies. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au fait que ta musique, tu n'as pas besoin de la politiser davantage parce que c'est ta musique, c'est cet aspect-là. Donc qu'on puisse avoir nos endroits où l'on respire, et c'est dans ces endroits-là justement, dans la banalité de nos quotidiens, que moi je trouve que se trouve la plus grande résistance, parce que nous ne sommes pas vus comme banals, nous ne sommes pas vus comme des gens qui puissent avoir des quotidiens, et là se trouve la plus grande résistance, juste être. Merci beaucoup Mam, merci beaucoup Anne-Fatoudan, merci beaucoup Elom, merci beaucoup Rossé. On va conclure cette table ronde par un geste artistique d'Elom Vance, qui va nous interpréter un morceau. Peut-être si bon forme. C'est à toi, Elom. Nous étions prévenus, tous les signes étaient là. Ça fait longtemps que la bête agonissait. Mais tellement habitué à sa terreur qu'il est impensable de la voir tomber. 30 salles climatisées, la bête était couchée dans un blanc lit, position de fœtus. Ses enfants lui dévoraient et partirent encore en vie. Sa tête, la première à mourir, ça faisait longtemps qu'elle ne pensait plus. Ses yeux grands ouverts, un profond puissant fond, ses gosses se gavaient. Comme ils pouvaient, ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait. La bête avait logé tous les chasseurs, leurs armes avec eux, dans la grande jungle de l'asile, dans les rues, il n'y avait que des hommes, des fous qui marchaient nus, sur leur tête, leur crée dans la poussière, ils balançaient leurs valises au bas des champs qu'on jouait sans cesse. Aux quatre coins de l'asile, parmi ces fous, il y avait les fous semblants, catégorie de ceux qui avaient décidé de rentrer dans la danse, saint d'esprit, pourtant comme Oya et Chambo, ces types
voulaient sauver leur fête. Si t'as vu tes frères se faire fusiller par vagues successives, mon fils, tu fais le faux comme moi. Merci pour rien, moi. Ou pas, Donc le roi de Tchalé, il n'avait pas réussi à escalader les murs pour trouver refuge quelque part dans la fosse. Ceux qui avaient rejoint la forêt, vivaient en quilombo, visités par les bongos. Sur l'asile régnaient les animaux sauvages, puisque l'ère des humains était révolue des caméléons. Des haut-parleurs dans leurs bouches passaient de temps en temps, dit chanter la gloire de la paix. Les fous, les plus fous chantaient à cœur joie, cacophonie incroyable, hymne de la déchéance. La chanson parlait de flammes, disait en substance quelque chose comme ça. Tout corps surpris, en train de réfléchir, sera fouetté et ira en enfer. C'est un tube, ce morceau, au top et hit parade. Il faisait rire le monde, tous, tout sauf la bête. Des caméléons voyaient les hommes en enfer pour réserver le paradis à la bête tout seul dans un camp. Y'a pas de place pour les esprits libres. Dans un asile, les gens dorment sous prison des fous depuis leur quilombo. Au sommet des cerveaux, les fourmis observaient la bête agonisée. Système s'effondre, château de sombre, avril en décembre, poison indécent. Mais les fous étaient habitués, et pourtant ils étaient très prévenus. Et pourtant ils étaient prévenus. Et pourtant nous étions prévenus. Tous les signes étaient là. Parce que je pense que l'unité africaine est quand même possible. Manfatuni en rosé. Sénat, Samba du Kouré. Mayongé à la caméra. Paris, 1993. Paris. Ainsi renaît l'espoir, dont silence pose silence. Poussière d'étoiles fugaces, horizon rouge fermé. Des corps bloqués, je volais dans le ciel comme un sperme. Noir comme K-Ops, plat comme la star du Ghana. Tu vois, les cadavres portent même leur cercueil. On fut non plus sur des neurones, c'est pas corps indépendance. Tcha-tcha, on l'a chanté, tchalé. Aujourd'hui, démontré comme le corps d'Osiris. Nos divisions non réglées ne sont-elles pas des espaces latents pour nous recoloniser du RDA? À la Ligue Moja, demande à Hamza tes kofa, mais sans kofa. Donc où soum font la bio, donc où soum font la bio. Donc où soum font la bio, donc où soum font la bio. Il attend, où est là, où est là, où est là. Il attend, où est là, où est là, où est là. Donc où soum font la bio, donc où soum font la bio. Donc où soum font la bio, donc où soum font la bio. Il attend, où est là, où est là, où est là. Il attend, où est là, où est là, où est là. Qu'on pleure les lilas dont les bras crépuscules s'élèvent de poing dans les cœurs militants. Je suis accoudé à la fenêtre, ma tête, mon œil du cyclone. Palais et cimetière où se battent ce martyr. Le jour arrive, c'est la crise qui dit. Leur empire périclite, leur sourire me dit. Yo, si tu t'élèves du trapèze au tour de Babel, ces fusées qui déflorent le ciel, ouvrir ma poitrine. Voir cette fleur qui tousse, appeler ma sueur à sa rescousse. Hein, dans ses yeux découvrir éclatant, en fondant et allaitant des impossibles imminents. Donc où soum font la vie, donc où soum font la vie. Donc où soum font la vie, donc où soum font la vie. Il attend, où est là, où est là, où est là. Il attend, où est là, où est là, où est là. Donc où soum font la vie, donc où soum font la vie. Donc où soum font la vie, donc où soum font la vie. Il attend, où est là, où est là, où est là. Il attend, où est là, où est là, où est là. Le soleil est une fleur qui ne se fane pas, qui ne se fane pas. Celle-ci, c'est pour l'agriculture. 2013-2021, incomparable la musique, on livre ici pour les frères et les sœurs qui les écoutent. Freestyle, que sans tes mots, tirer du coco, tu prends ça dans le plexus solaire, parce que c'est là que ça se passe. Tu vois ce que je veux dire, et là, quoi s'y passe. Pour les frères et les sœurs, fais les choses bien. Yo, yo, hein. Je prêche des pyramides au-dessus de tout, et que les ailes de la mate nous recouvrent tous. Je prêche des pyramides au-dessus de tout, et que les ailes de la mate nous recouvrent tous. Je prêche des pyramides au-dessus de tout, et que les ailes de la mate nous recouvrent tous. Merci. Et donc, c'est la fin de cette première table ronde. Je remercie les invités, Mme Patrick Young,
Hélène Vass et Rosé. Ben, à très bientôt, plaisir de vous relire sur l'agriculture ou dans vos espaces respectifs. Merci à vous. Je vous invite maintenant à écouter une mise en lecture du roman de Marc-Alexandre Rougambé, poète, slameur et romancier. Son roman Les Lumières d'Oujda va être lu par Marc-Alexandre lui-même, qui se trouve derrière moi, ainsi qu'Isabelle Frule, qui est adaptatrice, metteuse en scène et comédienne. Pourquoi on part ? Pourquoi on part ? En vrille, en vrac, parce qu'on veut refaire le monde à notre image, redonner aux femmes et aux hommes humains visages, ne plus connaître le courroux des dictatures qui nous prennent à la gorge, nous prennent tout, de la maternité à la morgue. On part parce que nos pays n'existent pas, pas vraiment. Nos pays sont des états fictifs, des états de non-droit, des états sur le papier, mâchés, recrachés, des rêves d'indépendance partis en fumée. On part parce que nous revendiquons soleil pour toutes, soleil pour tous, pour nous aussi, ivres de mer et d'ailleurs, ivres d'amour et de vie. On part parce que nous n'en pouvons plus de rester au bord de la fête, morts vivants, heureux dans la débrouillardise, mais se débrouiller n'est pas vivre. Alors, on part parce que nous avons fait pacte avec la route. Marcher est un acte de courage sans aucun doute. On part parce qu'on refuse de crever par inertie. On part parce qu'on veut connaître le vertige du voyage, sortir de l'abîme, des abysses, de la ronde, des cauchemars qui grondent en nous. On part parce que nous n'avons nul autre destin dans la peau que la liberté qui nous sommes d'oser devenir ce que nous sommes en somme. On part parce que l'espérance est un bien long chemin et une lutte de chaque instant. On part parce que le ciel coule sous nos yeux, parce que demain c'est loin. Demain c'est long à attendre, long à atteindre si on ne se risque pas. Si on ne risque rien, rien de bien, rien de bon, rien de meilleur. Ne survient. On le sait, on part parce qu'on en a marre de la galère, marre de la misère, marre de la guerre, marre de tous les maux que s'infligent les hommes. On part pour interpeller l'avenir, modifier nos futurs. On part parce qu'on se sent trop jeune pour être rangé, mangé par les autres dérangés qui nous gouvernent, trop jeune pour taille de rogne, rongé de remords ou regrets de ne pas avoir essayé, tout essayé, tenté le tout pour le tout, pour nous sauver du marasme et du désespoir qui gangrène les cœurs atrophiés de celles et ceux qui n'osent pas leur cause primordiale. On part parce qu'on a nos raisons, que la raison elle-même ignore parfois. On part parce que nous avons le sentiment insupportable d'être toujours les mêmes, fruits étranges pendus aux arbres et aux crocs de bouchers de l'histoire qui se répètent, ironique, inlassable, cynique. On part parce qu'on a tellement mal de vivre, mal de terre, mal de dignité, qu'on s'en fout d'avoir aussi mal de mer, mal de mort, mal au corps, mal encore. On part parce qu'on ne croit pas à l'émergence promise en 2050, au plus tard, par celles et ceux au pouvoir depuis des décennies d'immobilisme. On part parce que rien n'a bougé, rien ne bouge, rien ne bougera tant que nos mauvais présidents garderont mainmise sur leur peuple qui court après la démocratie et tombe sous les coups de matraques et Kalachnikov, leurs qui n'en peuvent plus de tomber toujours plus bas sous le talon des bottes de militaires aux ordres du désordre national. Mondial. On part parce qu'on connaît le message, le seul et unique message des balles qui nous sont destinés quand nous sortons dans la rue pour nous indigner et demander, réclamer, exiger leur départ, le départ de la peur, le départ de la honte, le départ de ceux qui nous tuent et violent nos espoirs et nos rêves, matin, midi et soir. On part parce qu'on suffoque, on part parce que ça sent le soufre et la douleur.
au début et au bout du tunnel pour les souffres, douleurs que nous sommes. On part. Parce que cataplexie et asphyxie nous guettent à chaque seconde, chaque minute nous guette. À tout moment. On part parce qu'il n'y a jamais eu autant d'AVC chez nous. Les cœurs cassent en série. On part parce que la dame en noir nous fauche ici et là. C'est pareil, nous le savons. Cloporte lucide. Nous ne nous en sortirons pas, ou alors les pieds devant. Mais au moins nous les aurons usés, nos pieds sur les kilomètres et des kilomètres carrés de terre ocre pour atteindre nos délires, cueillir nos fleurs d'insomnie. On part parce que le temps est en retard. Et nous, ce que nous voulons, c'est arriver à l'heure au rendez-vous de nous-mêmes, ne plus voir nos solitudes à genoux, mais debout. Enfin, debout, on part parce que c'est ninja, c'est dur, c'est caillou. On part parce que le ngémé, le ndem ne nous laissera pas, nous tiennent, nous retiennent entre les murs, nous maintiennent la aide sous l'eau. On part parce qu'on a beau crier, on a beau cry, personne ne nous entend, personne ne nous écoute. Quand on parle, on part parce que le bruit court, qu'on peut être heureux ailleurs. On part parce que le bonheur est devant nous. Voulons le croire malgré les images de toutes les télés qui nous montrent noyés, repêchés, mitraillés, parqués dans les camps, réfugiés, traités comme des criminels, expulsés, gazés, dénigrés, accusés de malheurs plus grands que nous. On part parce que rien ne change à part les saisons funèbres aux raisons de larmes amères, de tristesse et d'orage, années blanches et sèches de douleur et de rage. On part parce que notre continent est en instance de divorce avec la vie. On part parce qu'on veut recoudre nos jours loin des ravages et des dérives du système. On part au lointain, le rivage, une autre rive, la paix possible en mirage, peut-être un naufrage en adage. On part pour attraper au passage du milieu un peu de ciel, un peu de lumière, un peu de douceur, un peu de miel, en lieu et place du fiel sur nos langues qui ont léché trop de plaies béantes, grandes ouvertes. On part tailler les flûtes de promesses pour nous-mêmes quelque part. On part pour ouvrir des brèches, braquer les consciences, dire et redire oui à la vie, à l'avenir, la vie à venir, par le départ puis retour à soi. On part pour recoller les morceaux de nous-mêmes, miroir brisé dans l'immense mouroir du monde à refaire ensemble avant la fin du monde. La part parce qu'on a faim, parce qu'on a soif. On part en feuille, en nègre, en bougnoule, en chintoc, en blanc aussi. Enfin, bohème aux âmes nomades blessées, déracinées. On part parce qu'on a la nostalgie d'heure meilleure, peut-être ailleurs, le lendemain qui chante. Rap, slam, déclame nos quêtes d'aurore et nos urgences de beauté dans la déchirure et le tremblement du monde. On part parce que chaque seconde, chaque minute compte et nous condamne encore un peu plus à l'enfer. C'est les autres où nous éloignent du trou noir géant en nous. On part se jeter dans la gueule du loup qui dévore l'enfance paradis. On part parce qu'on believe qu'on a le droit de fly loin du faïa de nos lives moroses. On part parce qu'on a le droit nous aussi de vouloir la vie en rose, la vie dolée qui dose. On part parce que things fall apart. On part parce que nos mauvais présides chacal à nos dreams. On part parce que no way to grow up here, no way to become someone here, no way to live and die peacefully here. On part parce que trop d'angoisse, trop de barreaux aux fenêtres, trop de portes fermées, trop de plafonds de verre, trop de tribalisme, trop de xénophobie, trop de racisme, trop de bad luck, trop de gens qui tournent mal rond, trop de non-sens, trop de pression, dépression, de dépréciation de nous-mêmes, trop de honte, non-bu, trop d'humiliation, trop de brimade, trop d'injustice, criarde, trop de croisade contre la paix qui nous manque. On part parce que ça tire partout, ça tire sur nous, ça tire autour, ça tire en nous. Ça tire, et ça nous retue de voir se faire descendre joie et innocence en plein jour dans nos rues et... Pourquoi on part ?
qu'on tombe en amour un jour, et d'évidence en évidence, on sait que notre vie ne sera plus jamais la même sans l'être aimé. On sait qu'on est prêt à tout, ensemble, prêt à se suivre partout pour vivre. C'est ce qu'on a à vivre. Quoi donc ? La vie elle-même et la tendresse en battement d'elle. Alors on part à la vie, à l'amour, comme d'autres à la guerre, à la mort. On part en toute confiance parce qu'on sait au plus profond de soi que les lumières d'Oujda ne s'éteindront jamais. Jamais. Le moment est venu de la deuxième table ronde. Dans cette table ronde, on va s'intéresser à deux notions, décoloniser les mythes imaginaires et bâtir l'avenir. Donc, c'est une table ronde qui va être projetée vers le futur de l'Afrique et de sa diaspora. Pour cette table ronde, je reçois trois invités. Je commence à appeler quelque part près de moi Sinatou Saka, qui est journaliste et elle est aussi membre du collectif IDEMI. Elle est originaire du Bénin. J'appelle aussi l'écrivain, romancier, slameur, poète Marc-Alexandre Ouvandé, qui lui est originaire du Cameroun. Bonjour Marc. Bonjour Sinatou. Et enfin, Fred Ebami va nous rejoindre. C'est un artiste visuel et il est aussi originaire du Cameroun. Bonjour. Bonjour Fred. Alors, bonjour à tous les trois, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui à la Cité internationale des arts de Paris. Sinatou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le collectif dont vous êtes membre et dont vous allez nous parler. Il y a 2 ans, pour la revue Agriculture, vous avez collaboré avec une très belle tribune et qui est intéressante parce qu'elle est poétique et en même temps elle nous parle d'Internet. Et vous nous invitez, vous appelez dans cette tribune la jeunesse africaine à publier des contenus dans les langues africaines et essayer d'avoir une parité, en tout cas une égalité linguistique. Et vous évoquez beaucoup la domination de l'anglais dans l'utilisation, la production des savoirs sur Internet. Alors la question que je voulais vous poser, c'est 2 ans après, quel bilan vis-à-vis de cet appel ? Est-ce qu'il y a des dispositifs qui ont été mis en place ? Et quel regard avez-vous aujourd'hui sur cette question ? Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je suis très très honorée donc d'assister à cette table ronde aux côtés de personnes que j'admire. Alors déjà pour préciser un peu le contexte dans cette tribune, je disais qu'environ 6000 langues étaient référencées aujourd'hui dans le monde et que 10 d'entre elles représentaient à 80% à peu près du contenu existant sur Internet et que c'était assez problématique. Parce qu'Internet est un espace que nous fréquentons tous, est un espace qui est censé être ouvert, diversifié, mais qui en fait n'est pas si inclusif que ça, et que du coup il fallait qu'on se réapproprie en quelque sorte cet espace et qu'on essaye de se réinventer dans cet espace et de produire du contenu dans les langues africaines, les langues qui pour nous en tout cas au sein du collectif IDEMI sont des choses assez importantes. Je fais référence notamment à ce que disait tout à l'heure Mam Fatou Niang sur la question de l'être. Et moi, je pense que la langue, en fait, cristallise notre désir, en tout cas, de réappropriation de notre être et aussi notre envie de partage de qui on est. Moi, je dis souvent que je ne suis pas la même en français ou en yoruba ou en fon. Et c'est hyper important aussi d'investir cet espace politique qu'est Internet avec qui nous sommes réellement, avec nos occurrences, avec nos langues. Et cela passe aussi par nos activités concrètes de tous les jours, en fait, sur Internet. Et pour répondre à ta question plus spécifiquement, est-ce que les choses ont avancé? C'est un gros mot de dire avancé parce que récemment, on a fait une étude avec IDEMI pour essayer d'étudier quels étaient les sites officiels des pays africains qui existaient au moins dans une langue africaine. Et en fait, le résultat est assez frappant parce que finalement, il n'y en avait que 3 qui avaient des sites dans une langue
africaine, en sachant que sur 54-3, c'est quand même assez décourageant. Mais en même temps, en face de ça, il y a de plus en plus de Sénégalais qui tweetent en Wolof, ou bien qui produisent du contenu vidéo sur YouTube en Wolof, qui investissent Instagram en Wolof. Et moi, je pense que c'est quand même assez important aussi voilà, de partager ces langues-là, de susciter la curiosité d'autres communautés, et surtout de pousser en quelque sorte les grosses mastodontes aujourd'hui qui sont Google, Facebook et autres, à aussi s'intéresser à ces langues et à rendre leurs outils disponibles dans ces langues-là, pour une fois encore permettre à ceux et celles qui ne parlent pas les langues dominantes de pouvoir aussi avoir accès au numérique. Et justement, comment vous procédez pour les atteindre et pour les impacter? Est-ce que vous lancez des campagnes de communication, de sensibilisation? Alors déjà, ce qu'on essaye de faire dans le fond, c'est de faire des études, hein, de creuser concrètement où est-ce qu'on en est. Je pense que c'est important de faire cet état des lieux-là. Ensuite, ce qu'on fait, et ça pour le coup, c'est assez important pour nous, c'est qu'on fait des ateliers de traduction en ligne qui sont ouverts à tous et à toutes, où on va inviter le public à venir collaborer et à traduire des mots comme clic, comme recherche, des mots en fait qui sont des mots numériques dans leur langue. C'est souvent des moments de créativité incroyables parce que du coup, c'est pas des mots qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Mais le but, c'est vraiment d'associer en fait la collectivité, parce que nous, on croit vraiment à cet esprit collaboratif, à traduire ces langues, ces mots qui sont très utilisés aujourd'hui, qui font partie du vocabulaire de WordPress, de Facebook. Par exemple, comment est-ce qu'on pourrait dire liker, retweeter? Et donc, du coup, tous ensemble, on va essayer de traduire toutes ces occurrences-là dans les langues africaines. Donc, ça, c'est des ateliers qu'on fait régulièrement. Et puis, après, le but, c'est aussi de continuer à sensibiliser nos politiques, hein, parce que la situation des langues africaines sur Internet, c'est la même que dans la vraie vie. Donc, si les choses bougent dans la vraie vie, même si Internet, en fait, c'est la vraie vie, si les choses continuent de bouger dans la vraie vie, s'il y a toujours une volonté politique dans la vraie vie, in real life, comme on dit, elles bougeront aussi, en fait, sur Internet. Vous, quand vous avez commencé à prendre la parole, vous avez cité Mam Fatou Niang, et en fait, cette question d'être dans la langue, d'exister, d'une existence, en fait, dans la langue, ancrée dans la langue, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme menace par rapport aux existences africaines, telles que vous, peut-être, vous les rêvez, ou vous les imaginez, ou vous les vivez? Et qu'est-ce qui les menace aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une menace de dissolution de ces existences, voire de ces identités? Alors, moi, personnellement, je ne prends pas forcément les choses par ce bout-là. Je crois vraiment à la question des ponts, en fait, qu'on peut créer entre toutes les langues, qu'elles soient occidentales ou africaines. Je crois vraiment qu'on peut essayer de... Enfin, il y a un ami qui est écrivain qui parle souvent de cette alternative... entre les deux, de la traduction qui devrait être encore plus mise en avant. Donc moi, je parlerai pas de menace, mais il faut quand même dire que aujourd'hui, le fait que 80% du contenu qui existe sur Internet n'existe que dans 10 langues occidentales, donc 10 langues des pays les plus riches, donc il y a clairement une problématique en tout cas économique, hein, aussi, hein, parce que voilà, le contenu sur Internet est aussi politique, économique et géopolitique aussi. Moi, ce que je peux dire, c'est que effectivement, si on considère qu'Internet va devenir la mémoire du monde, si ces langues-là continuent de ne pas exister dans cet espace, elles risquent de disparaître de cet univers-là. Mais elles ne disparaîtront jamais dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose de très important que moi, je continue de dire. Une langue ne disparaît jamais, parce que à quel moment on considère qu'une langue a vraiment disparu? Si on part du principe que c'est lorsque le nombre de locuteurs faiblit, ce qui n'est pas mon critère de base, du coup, on peut dire qu'une langue est en train de disparaître. Mais pour moi, pour ce qui me concerne, s'il y a encore une ou deux personnes qui continuent de parler cette langue dans le fin fond du Bénin ou du Togo, alors cette langue, elle est toujours vivante. Voilà, c'est mon point de vue. Ben, c'est un point de vue résistant, et je crois que c'est ce qui vous rassemble tous les trois aujourd'hui. Je trouve ça très inspirant. Je vous félicite pour votre lutte. Effectivement, il y a quelque chose de politique, il y a aussi quelque chose de poétique, puisqu'on est en train de parler de langue.
et de survie des langues, de protection, de diffusion et de circulation des langues. Je me tourne maintenant vers Marc-Alexandre Aubambé, dit capitaine Alexandre, poète, slameur, romancier. Alors Marc-Alexandre, vous avez publié en 2019 dans le numéro hors série d'Africulture un long poème intitulé « Ingouvernable ». Ce poème, je le trouve intéressant parce que pour moi, il résume un petit peu les contributions, l'ensemble des contributions qu'il y a eu dans la revue. Et ce sont en général des contributions. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles commencent souvent par « on imagine l'Afrique de telle manière, les représentations négatives de l'Afrique ». Et elle commence en fait par un constat sur des représentations éternellement négatives de l'Afrique. Et ensuite, les tribunes s'ouvrent vers des promesses en fait sur les potentialités de l'Afrique. Alors vous, ça tranche immédiatement, c'est « on est ingouvernable ». Et c'est sous-titré « poétique de résistance ». Alors la question que je voulais vous poser déjà, c'est comment vous avez eu l'idée, comment vous avez eu le désir de proposer ce poème à Africulture et comment vous... Peut-être, si vous pouviez résumer un peu l'idée qu'il y a derrière cette poétique, cette proposition poétique de résistance. Alors, merci de nous accueillir à cet événement et merci d'avoir accueilli ce poème aussi dans la revue. Alors, il est parti d'un constat, je ne sais pas si c'est un constat, mais d'une évidence pour moi. Et donc le titre du texte, c'est « Nous sommes des ingouvernables ». Et il dit en substance ceci, « Nous sommes des ingouvernables, porteurs de poèmes et de rêves fragiles. Nous sommes des ingouvernables n'appartenant à aucune classe, aucune caste, aucune race, si ce n'est celle des femmes et des hommes de plein vent. Nous sommes des ingouvernables, compteurs de foudre, voleurs de feu, rallumeur de flammes vitales pour les âmes. » Donc, il va au-delà de toute citoyenneté, en fait. Il parle d'âme à âme. Et c'est ce que j'avais envie de dire dans ce texte aussi. Peut-être que franchir la ligne de couleur est ce qui nous est le plus urgent aujourd'hui. Mais pas seulement à nous, Africains, au monde entier. Franchir toutes les lignes, franchir les lignes de couleur et de douleur aussi. Et c'est un texte qui dit aussi, qui est la continuité d'un poème qui disait « Même si je revendique plus que toute la négritude qui rythme mon chant, quand j'écris de la poésie, ma peau n'a plus de couleur, je suis de race humaine. » Parce que quand je lis Mahmoud Darwish, quand je lis De Pestre, quand je lis Éluard, quand je lis Mongo Betty, je vois d'abord des êtres humains qui parlent de situation, qui parlent de la condition humaine. Ils ne parlent pas de la condition palestinienne seulement, ils ne parlent pas de la condition camerounaise seulement, ils ne parlent pas de la condition française seulement, ils parlent de la condition humaine. Et c'est comme ça que je vois ce texte qui est une invitation à être ingouvernable, à refuser que les dictatures, à refuser que toutes les dictatures, quelles qu'elles soient, nous dictent notre manière de penser et d'être au monde, en fait. S'affranchir de tout et franchir les lignes de douleur et les lignes de couleur. Et en cela, on est des ingouvernables. C'est-à-dire que je peux aujourd'hui faire humanité avec quelqu'un qui ne me ressemble pas, mais parce qu'on est capable de rire et de pleurer ensemble, en fait. Et c'est la seule chose qui compte. Comment on fait pour y arriver ? On fait, et on y arrive. On a la chance, avec Fred et le collectif, on a slamé sur l'île, mais avec d'autres alliés substantiels aussi, depuis maintenant plus de 15 ans, on arrive à tresser, à tisser, à métisser des liens qui vont du Liban à l'Amérique du Sud, à l'Afrique subsaharienne. Enfin, on voyage, on va à la rencontre, on va se fracasser sur d'autres humanités que les nôtres. On réalise qu'on pleure et qu'on subit dans la même langue et qu'aucun xénophobe ne pourra jamais changer ça. Aucun raciste au monde, quel qu'il soit d'ailleurs, quelle que soit sa couleur, ne pourra jamais changer ça. On pleure et on sourit dans la même langue du cœur qui décède un jour. Et ça, on le voit en allant faire un tour, en allant voir ailleurs si on y est. Et pour ça, il faut marcher un peu. Même quand rien ne marche, il faut marcher un peu et aller voir ailleurs si on y est. Et on a la chance, nous, d'aller voir ailleurs si on y est depuis très longtemps et d'inviter aussi d'autres à venir voir chez nous s'ils y sont. Et finalement, le chez nous et le chez eux s'effacent. Ça n'existe plus, en fait. Et vous, Fred, qu'est-ce que ça vous évoque, cette marche vers les autres? Qu'est-ce que ça vous évoque personnellement, mais aussi dans votre pratique artistique en tant qu'artiste visuel? Bah pour moi, c'est quelque chose de logique, c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû être indissociable. Si je pense que c'est quelque chose qui, c'est ce qu'on a, c'est notre premier cri,
je pense qu'on est dit comme ça. C'est aussi comme ça qu'on a rencontré le monde qu'on a voulu redécouvrir, qu'on a voulu rechercher, parce qu'on cherchait peut-être quelque chose, on cherchait nos doubles. Et quand je dis nos doubles, je ne dis pas nous en tant que doubles, mais nos doubles humains. Et c'est quelque chose qui est juste primordial, indissociable et logique, naturel. 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 Comment on fait en contexte de domination ? En contexte de domination ? Alors, là, je fais un lien avec Sinatou. On est en contexte de domination linguistique sur Internet. On est dans un contexte global de domination. Alors, on fait la rébellion. On fait la rébellion dans le geste créatif ? Dans le geste créatif, dans le geste de vie, dans le geste de respiration, dans le geste d'envie de voir l'autre, on fait la rébellion. Parce que dans ce contexte de domination, ça veut dire qu'on nous empêche d'aller vers l'autre, on nous empêche de nous retrouver, on nous empêche de nous respirer. Donc, il faut faire rébellion. Et puis, il ne faut pas oublier que tu peux investir, tu peux tout investir avec ce que tu es. On peut écrire et dire en français dans des langues étrangères. On peut écrire et dire en anglais dans sa langue étrangère. Et nous, si on parle de poétique, la poésie est une langue à part entière. La poésie elle-même est une langue et qui ne porte pas de drapeau. Un poète est poète par sa langue, il n'est pas poète par sa nationalité, il est d'abord poète par sa langue, c'est-à-dire la prose de son âme. Et son âme est humaine, elle n'est pas camerounaise, mon âme, elle n'est pas camerounaise. Elle est humaine d'abord. Et après, effectivement, il y a d'autres choses qui peuvent entrer en compte et en rencontre aussi, d'ailleurs. Les berceuses en douala dans lesquelles j'ai grandi, la manière dont mon imaginaire a été fécondé, et puis tout ce que j'ai entendu, du jazz, de la musique, des soleils noirs, les disques de jazz de mon père, de résistance, puisqu'on y est, on en parle encore et toujours, aux musiciens de Makossa, aux poètes que je lisais, aux rappeurs que j'ai découverts, français, Wolof, à l'époque où on commençait à rapper à Douala, on avait 16 ans, il y avait Solar, il y avait PBS à Dakar, et tout ça a fait aussi l'autre rapport à la musique, et le rapport à la musique qui dit aussi le rapport à la vie. Donc il y a un moment donné, on peut tout investir. La domination, je pense qu'il faut... à un moment donné, aussi, refuser d'être assigné à toutes les résidences, en fait, identitaires, et refuser d'être assigné aussi à cette idée qu'il y a des dominants et des dominés. Moi, je suis dominé par personne. J'ai pas le sentiment d'être dominé, j'ai pas le sentiment... on a eu la grâce de la naissance tardive, j'ai pas le sentiment d'être colonisé, ni néo-colonisé. J'ai pas le sentiment d'être... à cet endroit-là de la lutte. Par contre, j'ai un sentiment et un devoir aussi de père. J'ai des enfants qui sont métis. J'ai un devoir qui est de franchir les lignes de couleur, sinon je les condamne à choisir un camp. Il n'est pas question de ça. Il n'y a personne qui passe avant mes enfants. Aucun pays, aucun continent, ni au nord, ni au sud. Et je ne peux pas les condamner à choisir un camp en leur disant, ouais, les lignes de couleur, vous êtes de tel ou tel côté. Ils sont de tous les côtés, en fait. Et ma première responsabilité est là. Et en tant qu'artiste, j'essaye de faire en sorte que la tribune que j'ai en tant qu'artiste, elle rejoigne cette première lutte, là, d'abord, ce premier combat-là. Fred, est-ce que vous avez un exemple en tête d'une performance ou d'une production artistique dont vous pourriez nous parler alors de vous-même, hein. Pas d'un autre artiste. Oui, non, bien sûr. Pour apporter un petit peu d'illustration, en fait, on est pour l'instant dans un registre théorique et métaphorique. J'ai quelque chose en tête, c'est un souvenir qui est très récent, justement, et c'est aussi un parcours initiatique, parce que c'était une expo à la Galerie Marmad, voilà. C'était très initiatique parce que c'était la première fois que je revenais au Cameroun en tant que solo artiste à exposer sur mes terres. Voilà, on va faire ça comme ça, sur mes terres. Et j'ai voulu, dans cette expo, pas seulement exposer des personnages qui m'animent et qui m'accompagnent. J'ai voulu mettre un lit au milieu de cette expo, un lit sur lequel il y avait une couverture où il y avait marqué « Times to change things ». Pour moi, ça voulait dire tout, en fait. C'était mon histoire. C'était
Je suis né en France, je suis allé au Cameroun, j'avais 10 ans, je suis revenu, j'en avais 18. Et j'ai vu mes grands-parents, j'ai vu mes parents vivre ce Cameroun-là. Je venais avec une culture européenne, donc je n'étais pas complètement en phase avec la culture que je redécouvrais, parce que je la connaissais à la maison, avec la bouffe, avec les textiles, avec la musique. Et je suis allé sur le terrain, on va dire, je suis allé sur la terre verte, pour le j'allais dans sur la terre rouge. Et c'était une initiation et une éducation. Et une éducation qui m'a fait du bien. En fait, ce lit, c'était une métaphore du proverbe qui dit comme on fait son lit, on se couche, si je ne me trompe pas. Et j'ai pris cette métaphore et je l'ai accordée à ce qui se passe dans le monde, en fait. Le monde ne va pas bien. Il faut changer les choses. Et peut-être que c'est le moment maintenant de changer les choses. Donc, on va se coucher et on se lève pour changer les choses. Et cette performance-là, c'était un truc que j'avais en moi depuis super longtemps. Mais jusqu'à ce jour-là, je ne savais pas comment il fallait que je ressorte ce que je voulais dire. Et je pense qu'aujourd'hui, en étant chez moi, j'ai eu cette énergie qui venait du sol et qui m'a dit, c'est comme ça qu'il faut que tu me montres. Tu casses ton expo, tu mets un lit. Les gens vont se demander, mais pourquoi il met un lit dans son expo? Et tu mets ce message-là. Et ce message-là devient organique, parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est, on a une sale journée, on rentre à la maison, on se couche. Le lendemain, c'est nous qui décidons comment on se réveille. Mais, et je pense que la Terre, elle est comme ça, en fait. Et il fallait que je sorte, moi, ce que j'avais à l'intérieur et comment je voulais l'exprimer. Et c'est venu comme ça et ça s'exprime comme ça. Donc c'était organique, métaphorique et psychologique en même temps. Et performatif aussi. Aussi, c'était la première fois. Ouais. Je savais même pas que c'était une performance, mais je me suis dit, j'ai envie de faire ça, donc je vais faire ça. Mmh. Oui, vous êtes, il y a une communauté de pratiques et de discours quand on vous écoute tous les deux. Le fait d'énoncer, en fait, c'est le fait de devenir, c'est le fait d'agir, c'est le fait d'être et être souverain, avoir l'autorité de sa propre décision, en fait. Et si je peux ajouter, j'ai mis du temps à comprendre que pour que les choses elles arrivent, il faut en parler, il faut les dire. Et aujourd'hui, je pense que je vais pas avoir l'arrogance en disant mes rêves ne sont plus des rêves, maintenant ils deviennent des réalités. Et parce que j'ai osé les dire et j'ai osé en parler et j'ai osé les formaliser, et maintenant mes rêves sont des réalités. Donc, vu que mes rêves sont des réalités, il faut que je me crée d'autres rêves. Et je les appelle et ça arrive. Non, j'allais juste dire, compléter ce que Fred venait de dire, c'est-à-dire nommer les choses pour qu'elles adviennent et faire ce qu'on veut, voir sans agir dans son lieu, en pensant avec le monde, mais dans agir dans son lieu, il y a agir. Et agir, c'est aussi peut-être ne pas se contenter de dénoncer, il faut aussi énoncer. Et ça, je pense que c'est vital, c'est urgent, c'est nécessaire d'être aussi capable dénoncer, et pas seulement de dénoncer, d'être dans la réaction A. Parce que tant qu'on est dans la réaction A, on considère toujours qu'il y a un autre en face à affronter. Alors que quand tu énonces pour toi, tu énonces pas contre l'autre. Et c'est pas la même chose, le combat est pas le même et tu te lèves pas de la même façon le matin. Je rajoute aussi à ce qu'il dit. Je pense aussi qu'on a été tellement matrixé au fait de se dire que nos rêves sont trop grands et qu'on pourrait jamais les réaliser. Je pense que c'est pour ça qu'on a aussi peur de les énoncer. Mais quand on sort justement de cette boîte-là et qu'on se dit, je vais le faire. Et il y a encore ce proverbe qui dit « Vise la lune, tu atteindras les étoiles ». Et c'est tellement vrai, il faut viser la lune et on atteindra des sommets qu'on ne s'en rend même pas compte. Et donc la politique de la résistance est aussi une politique de la résistance, par le rêve, le songe porté dans le monde. Oui, s'autoriser à rêver, c'est le point de départ en fait, s'autoriser à rêver et ni trop grand, ni trop petit, s'autoriser à rêver en toute simplicité. Est-ce que ça vous évoque, Sinatou? Je suis assez curieuse de savoir comment vous réagissez. Là, vous êtes activiste dans un contexte de politique linguistique, et là, on est face à la question de la langue poétique. Qu'est-ce que ça vous évoque et est-ce que ça vous inspire? Moi, ce que j'entends beaucoup depuis tout à l'heure, c'est la question de nommer les choses, d'énoncer les choses.
Et sur la question de nommer les choses, je pensais à... Moi, j'ai un deuxième prénom en Yoruba qui veut dire Abeje. Alors, Abeje en Yoruba, ça veut dire celle que les esprits ont choyée. Et quand mon père m'a raconté l'histoire, en fait, de ce prénom, j'ai compris à quel point c'était important, en fait, de nommer les choses et comment, en fait, parler, ça ne veut pas rien dire, quoi. C'est un acte important, c'est un acte politique. Et du coup, je me disais depuis tout à l'heure, en fait, finalement, ce qui compte, peu importe la manière dont chacun agit, c'est ce qu'on produit. Et ce qui est aussi très important à dire, c'est voilà, peu importe la manière dont tu agis, peu importe la langue que tu choisis pour agir ou pour le dire, tout ça, ça compte, quoi. Tout ça, c'est important et tu as le droit, en fait. C'est vraiment ça que voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de compléter. Voilà, peu importe ta méthode en fait de résistance, ça compte. Merci pour cette belle clôture, Sinatou. Je vous ai donné la parole. On va laisser maintenant la place à Marc-Alexandre et Fred et Bami. Je crois que vous avez une performance. On a une surprise. D'ailleurs, je ne sais absolument pas ce que c'est. Une expo-vésie pour Africulture. Ok, c'est formidable. Je voulais vous remercier chaleureusement tous les trois. J'ai trouvé ça vraiment édifiant, inspirant. Et avec la convocation d'un très joli discours, en fait, très à propos, on parlait de nommer et d'énoncer. Vous êtes porteurs d'une très jolie parole tous les trois. Et je suis ravie d'avoir eu cet échange avec vous. Merci beaucoup. Merci. Je viens d'inventer un nouveau mot, la rébellience. Rébellion et résilience. Donc, on a fait de la rébellion, je crois. La rébellion, voilà, on le note et on l'utilisera et on va vous plagier, en fait. Voilà. Des royalties. Bon, on verra ça. Merci à vous trois, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Agriculture en live avec Séné Camara, Calvin Young et Hervé Yangel. Le royaume perdu. Lorsque les voyageurs que nous sommes sont coincés en eux-mêmes. Quand nous tournons en rond au milieu des ombres, c'est peut-être que nous ne voyons plus l'étendue de notre royaume intérieur. De l'enfance à l'âge adulte, on dirait que plus le temps passe, que le monde est violent et cynique, plus notre royaume prend des vagues et le flou s'installe. La force du voyageur est dans sa capacité d'émerveillement qui lui fait vaincre les difficultés et puis en tirer des histoires à partager dans ses traversées de lieux. Le royaume intérieur s'agrandit lorsque l'on garde en éveil la flamme de l'émerveillement, cette flamme de l'enfance que l'on protège et qui fait que lorsqu'on est au pied d'un arbre, on communie avec la beauté de l'arbre, ses feuilles vertes, son écorce, les fourmis entre son écorce. On saisit le temps dans la beauté des présences. On met en harmonie les présences et on avance avec elles. Quand on perd la flamme de l'émerveillement de l'enfance, on ne sait plus soi-même qu'on est un royaume.
Quand on perd la flamme de l'émerveillement de l'enfance, on ne sait plus soi-même qu'on est un royaume. Enfant, étrange à l'innocence fragile, les enfants vous grandissent, les enfants vous élèvent, les enfants vous relèvent. Enfant, étrange à l'innocence fragile, trimballé d'utopie en utopie, noyé dans mes apories, j'ai fini par m'expulser de moi-même pour vivre debout, mourir, arc, goûter de ne pas avoir osé. Depuis, la sève de mes rêves illumine mon voyage et me revient à l'esprit obsédant de cette doctrine de vie, mélodie bleue que je vous offre en refrain. Écrire juste. Juste écrire, écrire juste écrire au jour qui se lève et à la nuit qui s'achève, au jour qui se lève et à la nuit qui s'achève. S'achève le temps d'un contact, le temps d'un contact. Écrire au baiser d'utopie posé sur ses lèvres pour lui dire que demain sera. Dors, petite fille, dors. Demain sera tant qu'il y aura des hommes et des femmes pour dire, pour énoncer et crier la faille dans le mur. Ne pas le briser surtout, juste créer la faille pour laisser s'échapper le parfum de beauté qui viendra. Viendra envoûter les murs de nos mondes, de nos idéaux mal placés. Juste crier la faille. Dors, petite fille. C'est comme ça que l'on entre dans des songes. C'est comme ça que l'on danse, nous. Avec des mots en forme de corps d'hommes et de femmes qui vibrent sur chaque note, sur chaque fil, sur chaque souffle. Sur chaque souffle. Car il s'agit bien de cela. De souffler un autre temps. D'insuffler une autre vie. De sourire au jour qui se lève. À la nuit qui s'achève. Ce jour qui se lève, et à la nuit qui s'achève. Au jour qui se lève, et à la nuit qui s'achève. Au jour qui se lève, et à la nuit qui s'achève. Merci. Africulture en live. Hervé Yangen, Manalon, Calvin Hugh, Séni Camara. Et on va accueillir Monsieur Doucouré et Mademoiselle Sadaï pour le mot de clôture comme ça. Parce que c'était doux, comme on dit à Abidjan. Mais même les choses les plus douces ont une fin parfois. J'écris fin, F-A-I-N. Merci à toutes et à tous d'avoir rejoint ce premier numéro d'Africulture en live. On est un peu bouleversés, un peu très émus, très touchés par la performance à laquelle on vient d'assister. On a un peu déjà la saudade, la nostalgie
avant même la fin de l'événement. Voilà, on n'a pas envie de se quitter. Merci à vous d'avoir assisté à cet événement. Je voudrais, avant de vous quitter, remercier Gonéphale, Lise Gomis et Laetitia Ngoto, ainsi que Leïla de Cassimaker, qui sont nos collaborateurs de l'Institut français. On les remercie avec chaleur de nous avoir fait confiance et d'avoir rendu cet événement possible. Puis, bah, évidemment, on remercie notre partenaire du jour, la Cité, Cité internationale des arts, cette grande résidence d'artistes internationaux qui nous a mis à disposition son auditorium. En particulier, nous remercions Natacha Petrichine-Bachelet ainsi que Corinne Loisel qui a été à l'origine de ce partenariat. Évidemment, je remercie tous les contributeurs d'Africulture, l'équipe du comité de rédaction, que ce soit Anne Grandé, Marie-Julie Chalut, Alice Filleul, Pascaline Paumier, Célia Sadaï, Aminata Aïdara, ainsi que toute l'équipe du conseil d'administration. Nicolas Chapelle. Nicolas Kozek, notre informaticien, Maud de la Chapelle, je n'oubliais personne, Baba Karsek aussi, qui m'a beaucoup aidé pour mettre en place ce projet, Moïse Gomis, Nénétem Tombona, Ami Douane et tous les autres contributeurs qui n'ont pas pu faire le déplacement, malheureusement, aujourd'hui. Voilà, et puis pour terminer, on n'a pas cité Marc-Alexandre Aubambé, à qui on doit la coordination de cette belle direction artistique des performances auxquelles on a pu assister aujourd'hui. On ne s'attendait pas à ces mini-spectacles qui nous ont été offerts avec beaucoup de générosité. Donc on remercie chaleureusement Marc-Alexandre. Et on vous laisse et on vous dit à bientôt pour un numéro 2. On ne sait pas quand, on ne sait pas où, c'est la surprise pour un numéro 2 d'Apiculture en live. À bientôt. Au revoir. Et un grand, grand, grand merci à toutes et à tous. Séni, Calvin, Isabelle, Manalone, Hervé et l'homme, Fred. Merci à Friculture, merci à vous, merci beaucoup. Et à toute l'équipe derrière, aux petites mains dans l'ombre, à Ange, Sandrine. Merci. Ancestral, porté par mon corps vocal, manqué à la caméra. Tu vois ce qu'on fait ici, pas de caméra. Toujours en train de payer sur le pied. Mes frères du Mikuti, c'est à Kinshasa. Tu vois ce que je veux te dire, les frères, c'est ici, ça se passe. Et aïe, 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 aïe,
Visage pour être aimé, avec ou sans visage, visage pour être aimé. Tous les matins du monde ont le même visage, le tien, le mien, le nôtre. Visage, 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 visage pour être aimé avec ou sans visage. It's time to change things. It's time to change things. Merci beaucoup.